chers auditeurs, bonjour à tous. Egunon est à Ongietori. Bienvenue sur notre antenne de Radio Lapourdi et sur la chaîne YouTube du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. Nous allons bientôt suivre en direct de la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne, en ce samedi 24 juin, l'ordination sacerdotale de Fadimata et José Celestino Quinan León par Mgr Marc Hayet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. Bonjour à tous. Nous allons commencer cette célébration. Et aujourd'hui, je vous invite à vous réjouir vraiment et à rendre grâce. Parce qu'aujourd'hui, Fedi et Rossé vont être ordonnés prêtres. Et on peut rendre grâce au Seigneur parce qu'on voit la fidélité du Seigneur. On voit dans la fidélité du Seigneur dans le cheminement de Rossé et de Fedi, et ce, malgré les moments de doute, malgré les moments de faiblesse, malgré le péché aussi. Mais on voit que dans tout ça, le Seigneur, il a été vainqueur. Le Seigneur, il a été plus fort. Et aujourd'hui, on va pouvoir accueillir de nouveaux prêtres dans notre diocèse. Et cette fidélité du Seigneur, elle est concrète aujourd'hui pour Fedi et Rossé, mais elle l'est aussi pour nous aujourd'hui. Parce que nous aussi, on est témoins de l'action de Dieu dans notre vie. On est témoins, on a tous des mémoriaux, on a tous des trésors dans notre vie qui nous permettent de dire que le Seigneur, il existe, le Seigneur, il ne nous abandonne pas, il est fidèle. Cette fidélité de Dieu, elle est claire dans notre vie également. Voilà, je vous invite à faire mémoire de ça au cours de cette célébration et à vous réjouir, encore une fois, pour Fedi et Rossé. Je vous invite à vous mettre debout. Ordinant, puisque Adonai Eloheinu, Adonai Echa, ce chemin qui vient d'Amérique du Sud, d'Espagne au départ, et qui a une liturgie spécifique avec des chants très joyeux à la guitare. Et donc la procession s'avance avec tous les séminaristes, tous les prêtres qui s'avancent qui arrivent dans le cœur de la cathédrale, donc pour cette ordination sacerdotale de Fadi Mata et José Celestino Quinan León. Alors Fadi vient d'Égypte et José vient du Venezuela. Donc tout au long de cette célébration, on aura des couleurs étrangères. Ça sera des chants différents de ce qu'on entend d'habitude ici dans notre cathédrale de Bayonne. Sur les poteaux de ta maison et sur tes portes,
Halima ti adi kalama ala mer samayka kalama bayna aynayka ala wa midi baytika wa ala al abwa. Sont maintenant dans le cœur. Monseigneur Marc Caillet vient d'embrasser l'autel. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes donc au début de la célébration d'ordination de deux nouveaux prêtres pour notre diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, que vous pouvez suivre donc en direct sur notre radio et également sur la chaîne YouTube du diocèse en vous rendant sur le site du diocèse www.diocèse64.org si vous voulez voir la célébration en images. Nous sommes donc en communion avec les familles et amis de ces deux jeunes qui n'ont pas tous pu venir ici à Bayonne et qui nous suivent par le biais d'Internet. Nous les saluons donc pour cette ordination de Fadimata, qui a 33 ans, qui vient d'Égypte, et de José Celestino Quinan León, qui a 28 ans et qui vient du Venezuela. Como señal en las palmas de tus manos, como memorial entre tus ojos, en las jambas de tu casa y en las puertas. Shema Israel, Shema Israel. Israel. El Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie.
chantons la gloire de Dieu. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, aie pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, écoute notre prière. S'assis à la droite du Père, et pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul. Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as suscité le bienheureux Jean-Baptiste afin qu'il prépare pour le Christ Seigneur un peuple disposé à l'accueillir. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants sur le chemin du salut et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous entrons maintenant dans la liturgie de la parole. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes donc en train de vivre la célébration d'ordination sacerdotale de Fadimata et José Celestino Quinan León par notre évêque Monseigneur Marc Ayet. On va donc avoir la première lecture suivie du psaume qui sera sans doute chanté. Lecture du livre d'Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom.
Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégée par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a cachée dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais, « Je me suis fatiguée pour rien. C'est pour le néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. » Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière du monde, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous allons maintenant avoir le psaume 138. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Je te rends grâce, ô mon Dieu, scrute Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je m'élève, de très loin tu pénètres mes pensées, tous mes chemins te sont familiers. Qui a créé mes reins, qui m'a tissé dans les seins de ma mère. Je reconnais devant toi les prodiges, les traits étonnants que je suis. Les œuvres du Seigneur, toute mon âme les sait, mais on n'était pas caché pour toi quand j'étais façonné dans les secrets. Je te rends grâce, ô mon Dieu.
C'est maintenant la deuxième lecture du livre des Actes des Apôtres. Des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs : Dieu a, pour nos pères, suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage : J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait : Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. Parole du Seigneur. Alléluia. 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 Tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant en présence du Seigneur. Et tu prépareras ses chemins. Alléluia. Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Accomplit le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Les voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et il se réjouissait avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour la circoncision
de l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: non, il s'appellera Jean. On lui dit: personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue s'élia. Il parlait, il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée. On racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: que donc sera cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait, son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Après l'acclamation de l'Évangile, nous allons procéder à l'appel et la présentation des candidats. C'est le supérieur du séminaire Redemptoris Mater, l'abbé Juan Ernesto Alvarez, qui va présenter les candidats à Mgr Marc Ayer. Que ceux qui vont être ordonnés prêtres s'avancent. José Celestino Quinan León. Fadi Mata. La Sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères José et Fedi et demande que vous les ordonniez pour la charge du presbytère. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Le peuple chrétien
a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons nos frères, José et Fedi, pour l'ordre des prêtres. Deux futurs prêtres ont donc été officiellement appelés, nommés, et après l'homélie de notre évêque, on procédera à l'ordination. Nous écoutons maintenant l'homélie de notre évêque Mgr Marc Hayet au cours de cette célébration d'ordination sacerdotale. Chers frères et sœurs, en cette solennité où nous célébrons la nativité de Saint Jean-Baptiste, précurseur du Christ, quelle joie d'être réunis dans cette cathédrale Sainte-Marie de Bayonne pour entourer nos frères José Celestino et Fedi au jour de leur ordination presbytérale. Dans quelques instants, par l'imposition de mes mains et le don de l'Esprit-Saint, ils deviendront prêtres de Jésus-Christ pour notre diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent de loin et parfois de très loin, du Venezuela, d'Égypte, du Liban, du Rwanda, d'Espagne, d'Italie, du Béarn et du Pays Basque, de France même. Bienvenidos en particular a la familia, los hermanos, los amigos de José Celestino que participan a esta celebración de su ordinación con YouTube. Son las cuatro horas, ¿no?, en Venezuela. Presto a la mañana. Bienvenue a tous ceux qui nous rejoignent aussi par la chaîne YouTube du diocèse et aussi par les ondes de Radio Lapourdi. Cette messe est directement diffusée. Et je veux saluer avec une particulière affection les familles de José Celestino et Fedi, et très particulièrement leurs mamans respectives qui sont ici et qui viennent de si loin pour vivre ce temps de grâce et d'intense émotion. Muchas gracias, Berenice, por el don de vuestro hijo a la diócesis de Bayonne. Shukran, merci Chantal, pour le don de Fedi à notre diocèse. José Celestino et Fedi, en effet, viennent de très loin. Le premier vient du Venezuela, en Amérique latine, et le second vient d'Égypte. D'Égypte, j'ai appelé mon fils, comme dit la Sainte Écriture. Vous me direz, comment est-ce possible ? Membres du chemin néocatéchuménal, réalité ecclésiale présente dans le monde entier, ils y ont mûri la grâce de leur baptême et discerné leur vocation sacerdotale. Et lors d'un rassemblement annuel des candidats au séminaire du chemin, ils ont été affectés par tirage au sort à l'un des 110 séminaires Redemptoris Mater du monde entier. Et pour eux, le sort est tombé sur le diocèse de Bayonne.
Ça aurait pu être pire. Hein. C'est dire que s'ils sont ordonnés aujourd'hui pour être incorporés, incardinés, dit-on, à notre diocèse, ce ne peut être que pure volonté de Dieu. Cela nous rappelle le choix de Matthias dans les Actes des Apôtres, où l'on pria le Seigneur de désigner celui des deux candidats présentés qui devait prendre la place de Judas. On tira au sort entre eux et le sort tomba sur Matthias, qui fut ainsi associé par suffrage aux 11 apôtres. Et le sort tomba sur Fedi et sur José Celestino. Comment ne pas être reconnaissant à ces deux jeunes hommes d'avoir répondu oui à l'appel du Seigneur pour servir notre diocèse comme pasteur et missionnaire? Mais comme nous voulons supplier aujourd'hui le Seigneur pour que dans nos communautés et nos paroisses, des jeunes se lèvent pour donner leur vie au service de l'Église qui est ici, je le dis aux jeunes, n'ayez pas peur de vous donner au Seigneur. Il ne prend rien, il donne tout. Chers fils, vous savez bien, vous, comment la parole de Dieu que vous scrutez fréquemment vient éclairer votre histoire et vous aider à discerner comment le Seigneur agit dans votre vie. La parole tirée au hasard lors de la vigile préparatoire à votre ordination est venu confirmer pour chacun de vous le choix de Dieu. C'est incroyable comment Dieu a toujours une parole pour nous, une parole ajustée à notre vie. Est-ce incroyable, non? Quel Seigneur tiene una palabra para cada uno de nosotros. Pour toi, Fedi, le sort est tombé sur Matthieu 9, 35, 38, où Saint Matthieu nous dit « Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, proclamant l'évangile du royaume, ce qui te renvoyait explicitement à la belle expérience d'itinérance missionnaire que tu accomplis actuellement au Rwanda. » Et je salue El Padre Enrico, qui est l'itinérant di questa zona del Rwanda, Rwanda. Où tu t'es rendu compte, comme tu me l'écris dans ta lettre, que tu t'étais habitué aux commodités de la société européenne, râlant pour le moindre souci. Ça nous rejoint, non? Là-bas, tu as dû partager la condition de pauvreté de ceux auxquels tu es actuellement envoyé. Le texte de l'Évangile poursuit avec l'invitation de Jésus à prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Et tu as pris conscience que si tu es là aujourd'hui, tu le dois d'abord à la prière de ta communauté du Caire, de tant de personnes qui ont prié pour toi, prière qui a été exaucée. En visitant ta communauté en Égypte en avril dernier, j'ai rendu grâce pour ta famille et tes frères de communauté, dont la prière est tellement efficace. Déjà deux prêtres et un séminariste. Le deuxième prêtre a proclamé l'Évangile. Il est lui aussi égyptien, du Caire. Il est actuellement en mission à Sidon, au Liban. Et j'ai admiré leur abnégation, parce que ces trois jeunes sont tous appelés à servir d'autres églises que l'Église d'Égypte. En outre, tu as vu dans ce passage d'Évangile sur la vocation et la mission des apôtres une confirmation par le Seigneur de ton appel à entrer dans la compassion du bon pasteur pour les âmes qui sont comme des brebis prostrées, lasses, sans berger. Quand tu t'es levé pour entrer au séminaire, c'était au JMJ à Cracovie. Tu apprenais dans le même temps le cancer de ton papa. Tu t'es alors demandé si c'était bien le moment de répondre. Tu avais un métier, tu étais ingénieur, tu étais le seul de ta famille à conduire. Mais c'est lui qui t'a encouragé. Et tu as été frappé par la paix avec laquelle il t'a dit «
C'est le Seigneur qui m'envoie cette maladie. Et c'est une grâce. Et c'est lui qui t'appelle. Alors, tu dois faire confiance. Je suis sûr que du haut du ciel, il est avec nous. Il te regarde avec affection. Et il jubile avec toute la cour céleste. Et si tu as connu après la mort de ton père un temps de descente en toi-même, assorti de doutes sur ta vocation, le Seigneur t'a aidé à mûrir. Tu as même vu dans ces doutes une pédagogie du Seigneur pour apprendre à connaître tes faiblesses et à t'appuyer sur lui seul et non pas sur toi-même. La scrutation de l'Écriture t'a particulièrement aidé à retrouver la paix. Et toi, José Celestino, tu es tombé au hasard, au cours de cette vigile, sur 1 Corinthiens 15, 40, 44. J'avoue que quand j'ai lu ce passage, j'étais un peu étonné. Je lis quelques lignes. « Il y a des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des célestes, autre celui des terrestres. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. On est semé dans la corruption, on ressuscite dans l'incorruptibilité. On est semé dans la faiblesse, on ressuscite dans la force. Ô combien cette parole de Paul te rejoignait, toi qui relis dans ces versets toute ton histoire, la séparation de tes parents quand tu étais tout petit, ton combat pour être fidèle parce que tu étais le seul de ta famille à être dans l'Église. Tu demandes le baptême à 8 ans, tu vas seul à la messe, tu écoutes les catéchèses du chemin à 13 ans, tu te lèves pour le séminaire, tu traverses l'Atlantique pour te lancer dans l'aventure. Et puis tu dois faire face depuis quelques mois à la fragilité de ton corps. Tu m'écrivais dans ta lettre, « Pendant le temps du diaconat, le Seigneur est venu me visiter avec les soucis de santé. El Señor vino a visitarme con problemas de salud. » Cela bouleversait tout mon être, ma manière de voir les choses. Il est venu tout casser, je suppose, de ton assurance, pour enlever ce qui m'empêche de le suivre. Il est venu pour m'enseigner l'humilité et vivre dans ma chair au jour le jour et ancrer tout mon être en lui. Et cette autre parole de Paul qui t'a touché. Le premier homme issu du sol est terrestre, le second, lui, vient du ciel. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est bien là que tu vois, à cause même de ton histoire contrariée, de tes faiblesses et de tes péchés, la puissance de Dieu à l'œuvre dans ta vie, comme tu le dis, le Seigneur veut que je devienne, par la puissance de sa résurrection, un prêtre céleste qui montre le ciel. Un prêtre céleste qui montre le ciel. Ce n'est pas pour rien que tu t'appelles Celestino. Cher fils, vous avez bien compris que si ce jour vient confirmer votre appel, et si vous pourriez reprendre les paroles du prophète Isaïe qui s'appliquent si bien à Jean-Baptiste, « J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. » Quel miracle et quelle merveille. Quel être étonnant je suis, quel être étonnant vous êtes, comme nous l'avons entendu dans le psaume. Mais ce jour est aussi pour vous un nouveau commencement, une nouvelle naissance, portée par le sein maternel de l'Église depuis si longtemps. Configuré au Christ tête et pasteur de l'Église par la grâce du sacrement de l'ordre, vous recevrez le pouvoir sacré, sacra potestas, d'enseigner, de prêcher avec l'autorité même du Christ, de sanctifier le peuple chrétien par les sacrements, principalement d'Eucharistie et de réconciliation, in persona Christi, dans la personne du Christ, et de gouverner la portion du peuple de Dieu qui vous sera confiée.
l'unité des triamunera, l'enseignement, la sanctification et le gouvernement, dans la personne du Christ et donc dans la personne du prêtre, est un des acquis principaux de l'enseignement du Concile Vatican II sur l'Église et sur le sacerdoce. Et certains voudraient aujourd'hui la faire voler en éclats, cette unité. Dans une conception faussée de la synodalité, où la gouvernance serait transférée aux fidèles laïcs. Certes, nous déplorons aujourd'hui le scandale des abus dans l'Église. Mais loin de dénaturer l'identité du prêtre, instituée par le Christ et transmise fidèlement par la tradition, il s'agit plutôt de s'attaquer aux vraies causes de ces abus, que le pape Benoît XVI a si bien identifiées dans un texte paru en 2019. Et la première des causes est d'ordre théologal. C'est l'oubli de Dieu dans la vie des hommes et parfois même dans la vie des prêtres. C'est l'oubli de l'objectivité de la foi et de la morale. C'est le règne du subjectivisme de la foi. C'est l'athéisme pratique qui imprègne notre société et qui est entré dans l'Église elle-même. Aussi est-il urgent de redonner à Dieu la première place, comme nous l'avons chanté au début de cette célébration avec force, « Schéma Israël, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Seigneur notre Dieu, et l'homme n'est pas Dieu. » En ce sens, le prêtre doit bien se garder de toute autoréférentialité, comme le dit le pape François. Il doit être par excellence l'homme de Dieu, l'homme pour Dieu, l'homme totalement donné à Dieu, l'hombre de Dios, l'hombre para Dios, l'hombre totalmente consagrado a Dios. Et sa promesse d'obéissance doit en être le signe éloquent et concret. Benoît XVI dit un jour que le signe de l'antéchrist est de parler en son nom propre. Le signe de l'antéchrist est de parler en son nom propre. Jean-Baptiste, la voix qui porte la parole d'un autre, dans sa radicalité, vous donne un exemple sublime. Lui qui l'a vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Lui qui confessera « Moi, je ne suis pas le Christ », mais qui se définira essentiellement comme l'ami de l'époux, qui se tient là, qui écoute sa voix et qui est ravi de joie à la voix de l'époux. De même, Jésus ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Il vous invite aujourd'hui à renforcer votre lien d'amitié avec lui par la scrutation de l'Écriture fidèle et par la prière d'intimité. Comme tu l'écris dans ta lettre, José, c'est le Seigneur qui me donne la force et l'esprit pour servir les autres. Et cela aujourd'hui me rejoint parce que je sais que ce n'est pas moi et que chaque jour je dois être attaché au Seigneur et voir que c'est lui qui me donne son esprit. Jésus lui-même, comme le remarquait encore Benoît XVI, prêchait le jour, mais la nuit, il priait. Jesús predicaba de día, pero oraba de noche. Et il commentait, le pape Benoît XVI, « Toutes les méthodes sont vides sans le fondement de la prière. » La parole de l'annonce doit toujours baigner dans une intense vie de prière. Mais ce n'est pas tout. Si ce jour est pour vous et pour nous un jour de grande joie, il n'est pas pour autant votre jour de gloire. Este día es un día de grande alegría, pero no es
vuestro día di gloria. Au contraire, vous êtes appelés désormais et un nouveau titre à entrer dans la kénose du Christ. C'est ce que vous enseigne encore le Baptiste, dont la parole doit sonner pour vous comme un programme. Il faut qu'il croisse, lui, et que moi, je diminue. Et en effet, le Baptiste a connu l'abandon du Seigneur, les ténèbres de la prison de Maquérante, le martyr par décapitation. Lui, salué pourtant par Jésus comme le plus grand des prophètes, il pouvait s'attribuer les paroles du serviteur d'Isaïe : « Je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Puissions-nous pouvoir nous aussi nous approprier ces paroles, chers frères dans le sacerdoce ? Dans ta lettre, Fédi, tu m'écris : « Au Rwanda, c'est un temps extraordinaire pour moi, où j'ai beaucoup appris, surtout à être un serviteur inutile de la parole dans un pays qui a beaucoup souffert et qui souffre encore. J'ai compris que le Seigneur a choisi pour moi cette place pour me faire grandir dans la foi et faire grandir aussi mes capacités de souffrance. Comprenez bien que pour Jésus lui-même, dont le Baptiste est le précurseur jusque dans sa mort, sa vie et son ministère furent un chemin vers la croix. Comme le souligne Benoît XVI, Jésus n'a pas racheté le monde par de belles paroles, mais par la souffrance et la mort. Jesús non salvó el mundo con bellas palabras, pero con el sufrimiento y la muerte de la cruz. Sa passion, continue-t-il, est une source intarissable pour le monde. Il faisait encore remarquer que saint Augustin liait le mandat confié à Pierre de paître les brebis à la prophétie de son martyr. Il dit « Paix mes brebis » et lui annonce qu'il donnera le témoignage de la mort sur la croix. Et d'ajouter « Le royaume de Dieu souffre violence, mais la violence de Dieu, c'est la souffrance et c'est la croix. Nous ne pouvons donner vie aux autres sans donner notre vie. » Rappelons-nous les paroles du Sauveur : qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. C'est le sens des paroles que je vous adresserai en vous remettant le calice et la patène et dont vous ferez mémoire dans chaque Eucharistie. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter au Seigneur. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Et vous pourrez dire en chaque Eucharistie avec le serviteur d'Isaïe : et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu, c'est mon Dieu qui est ma force. C'est l'Église qui protégera votre sacerdoce, l'Église qui vous portera dans sa prière, l'Église du ciel que nous allons maintenant invoquer et l'Église de la terre, plus concrètement votre communauté, celle qui sera confiée à votre ministère et celle qui vous accompagnera dans votre chemin néo-catéchuménal. C'est la Vierge Marie, première Église et mère de l'Église, qui vous gardera dans la fidélité à vos engagements, celle que vous invoquerez chaque jour par la récitation du chapelet, et à qui vous renouvellerez, au terme de cette célébration, votre consécration. Amen. C'était l'homélie de Mgr Marc Ayet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron, en direct de la cathédrale de Bayonne, pour l'ordination sacerdotale de Fadi Mata et José Celestino Quinan León. Homélie que vous pourrez réécouter sur le site du diocèse de Bayonne, www.diocèse64.org. Et dans quelques instants, ces deux jeunes vont donc être ordonnés prêtres. Fadi Mata, 33 ans, et José Celestino Quinan León, 28 ans. Nous allons vivre cette liturgie de l'ordination
en commençant par l'invocation à l'Esprit Saint. Ensuite, il y aura l'engagement des ordinants au presbytérat, et puis ce sera la litanie des saints. Ensuite, l'imposition des mains. Enfin, la remise du pain et du vin, de l'étole et de la chasuble. L'évêque s'approche donc devant l'autel et va entonner le chant du Veni Creator, l'invocation à l'Esprit Saint, pour le début de cette liturgie de l'ordination de Fadi et de Rosé. Frères et sœurs, tournons-nous vers le Seigneur pour implorer la venue de l'Esprit Saint. Veni Creator Spiritus, Mater tuorum visita in plenum. Cette invocation à l'Esprit Saint, nous avons Barbara Couget qui fait chanter et Iban Ergui à l'orgue.
Et c'est maintenant l'engagement des ordinants au presbytérat. Les deux ordinants vont répondre à Monseigneur Marcaillet. Ils répondront « Oui, je le veux ». Fils bien-aimé, avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit-Saint ? Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Voulez-vous de jour en jour vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tâche, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? José, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Fédi, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu achève en vous ce qu'il a commencé. Et maintenant, ça va être la litanie des saints. En signe de don de soi et de disponibilité totale à l'appel de Dieu, les ordinants vont se prosterner. Et pendant ce temps, l'Église du ciel et de la avec terre avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis comme prêtres. Demandons-lui de répandre sur José et Fédi les dons de son esprit. C'est ce très beau geste où les deux nouveaux prêtres sont allongés par terre, prosternés pendant la litanie des saints. Michel.
saints apôtres, priez pour nous. Sainte Marie Madeleine, priez pour nous. Sainte Dienne, priez pour nous. Saint Ignace d'Antioche, priez pour nous. Saint Laurent, priez pour nous. Sainte Perpétue et Félicité, Saint Augustin, priez pour nous. Saint Athanase, priez pour nous. Saint Martin, priez pour nous. Saint Antoine, Catherine d'Alexandrie, priez pour nous. Saint Cyril d'Alexandrie, priez pour nous. Saint Benoît et Saint Mauro, Dominique et Saint François d'Assise, priez pour nous. Saint Ignace de Loyola et Saint François Xavier, priez pour nous. Saint Jean-Marie Grignon de Montfort, Marie Vianney, priez pour nous. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, priez pour nous. Bienheureux José Gregorio Hernández, priez Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. Saint Philippe Néri, priez pour nous. Saint Jean Bosco, Michel Garicois, priez pour nous. Sainte Marie de Jésus crucifié, priez pour nous. Bienheureux Louis-Édouard Sestac, priez pour nous. Sainte Thérèse d'Avila, priez pour nous. Saint Jean de la Croix, priez pour nous.
San Jacinto. Tralcina, prie per noi, San Paul Sis, prie per noi, San Jean 23, prie per noi, San Jean Paul II. Exauce-nous, ô Christ, exauce-nous.
Écoute notre prière, Seigneur notre Dieu. Répands la bénédiction de l'Esprit-Saint et la grâce du sacerdoce sur José et Fedi, que nous te présentons pour qu'ils soient consacrés. Assure-leur toujours la richesse de ta grâce par le Christ notre Seigneur. Et maintenant, c'est le temps de l'imposition des mains pour cette célébration d'ordination sacerdotale depuis la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne. Donc, rite de l'imposition des mains, d'abord par l'évêque, puis par tous les prêtres du presbytérium. L'évêque impose les mains donc sur chaque nouveau prêtre. Cela signifie qu'il leur transmet un ministère. Ce geste associe étroitement les ordinants à la charge de l'évêque en vue de la mission que le Christ a confiée à son Église. Et ensuite, les autres prêtres donc, vont imposer également les mains sur les deux nouveaux prêtres. Ils expriment ainsi l'incorporation des ordinants dans le presbytérium, c'est-à-dire le collège des prêtres. Donc tous les prêtres s'avancent, d'abord le vicaire général, puis le chancelier, le conseil épiscopal, les directeurs des deux séminaires, donc le séminaire Redemptoris Mater et le séminaire des 5 heures de Jésus et de Marie. Et puis vous entendez au fond le bourdon de Saint-Jacques qui résonne donc pour accompagner ce rite de l'imposition des mains. Cette célébration en direct depuis la chaîne YouTube du diocèse en vous connectant sur le site internet www.diocèse64.org. Nous sommes donc au moment du rite de l'imposition des mains. Donc, tous les prêtres en file imposent les mains sur Fedi Mata et José Celestino Quinan León pour les incorporer au presbytérium. Alors pendant ce temps qui est un petit peu long, je vais vous proposer de lire des extraits d'un discours du pape François. Au symposium pour une théologie fondamentale du sacerdoce, c'était le 17 février 2022. La vie d'un prêtre est avant tout l'histoire du salut d'un baptisé. Nous oublions parfois le baptême et le sacerdoce devient une fonction, le fonctionnalisme, et c'est dangereux. Nous ne devons jamais oublier que toute vocation spécifique, y compris celle de l'ordre, est accomplissement du baptême. La tentation est toujours grande de vivre un sacerdoce sans baptême, et il n'y a pas de prêtre sans baptême, c'est-à-dire sans se rappeler que le premier appel est celui à la sainteté. Être saint, c'est se conformer à Jésus et permettre que les sentiments qui sont les siens battent dans notre vie. Ce n'est que lorsque nous cherchons à aimer comme Jésus a aimé, que nous rendons Dieu visible nous aussi et que nous réalisons notre vocation à la sainteté. Et puis le pape parle de 4 piliers constitutifs de la vie sacerdotale qu'il appelle les 4 proximités. Alors la proximité avec Dieu, dont a parlé aussi Mgr Hayet dans son homélie. Le prêtre est invité avant tout à cultiver cette proximité, cette intimité avec Dieu. Il pourra puiser de cette relation toute la force nécessaire à son ministère. La relation avec Dieu est, pour ainsi dire, la greffe qui nous maintient dans un lien de fécondité.
Sans une relation sérieuse avec le Seigneur, notre ministère devient stérile. La proximité avec Jésus, le contact avec sa parole, nous permet de placer notre vie devant la sienne, d'apprendre à ne pas nous scandaliser de tout ce qui nous arrive, à nous défendre des scandales. Comme ce fut le cas pour le Maître, vous passerez par des moments de joie et de noces, de miracles et de guérison, de multiplication des pains et de repos. Il y aura des moments où vous pourrez être loué, mais il y aura aussi des moments d'ingratitude, de rejet, de doute et de solitude. La proximité avec Jésus nous invite à ne craindre aucun de ces moments. Non pas parce que nous sommes forts, mais parce que nous regardons vers lui. Nous nous accrochons à lui et nous lui disons « Seigneur, ne permets pas que je tombe en tentation. Fais-moi comprendre que je vis un moment important de ma vie et que tu es avec moi pour éprouver ma foi et mon amour. » La deuxième proximité conseillée par le pape, c'est la proximité avec l'évêque. L'obéissance n'est pas un attribut disciplinaire, mais la caractéristique la plus forte des liens qui nous unissent dans la communion. Obéir dans ce cas à l'évêque signifie apprendre à écouter et se rappeler que personne ne peut se dire détenteur de la volonté de Dieu. Celle-ci ne peut être comprise que par le discernement. L'obéissance est donc l'écoute de la volonté de Dieu, discernée précisément dans une relation. Cette logique de proximité avec l'évêque permet de briser toute tentation de se fermer, de s'auto-justifier et de mener une vie de célibataire ou vieux garçon. Enfin, les deux autres proximités, ce sont la proximité entre les prêtres et puis la proximité avec le peuple de Dieu. Une proximité qui est enrichie par les trois autres et qui invite à adopter le style du Seigneur. Voilà, c'est l'imposition des mains donc qui se termine. Tous les prêtres sont venus imposer leurs mains sur les deux nouveaux prêtres, pendant que le bourdon de Saint-Jacques continue de résonner. Ensuite, il va y avoir la prière d'ordination prononcée par notre évêque. Sois avec nous, Seigneur, Père très saint. Sois avec nous, Dieu éternel et tout-puissant. Toi qui fondes la dignité de la personne humaine et qui répartis toute grâce. Toi la source de toute vie et de toute croissance. Pour former le peuple sacerdotal, tu suscites en lui par la force de l'Esprit-Saint et selon les divers ordres, les ministres de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Déjà dans la première alliance, des fonctions sacrées préparaient les ministères à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse et Aaron, chargé de le conduire et de le sanctifier. Tu avais aussi choisi des hommes d'un autre ordre et d'un autre rang pour les seconder dans leurs tâches. C'est ainsi que pendant la marche au désert, tu as communiqué l'esprit donné à Moïse aux 70 hommes pleins de sagesse qui devait l'aider à gouverner ton peuple. C'est ainsi que tu as étendu aux fils d'Aaron la consécration que leur père avait reçue, pour que des prêtres, selon la loi, soient chargés d'offrir des sacrifices qui étaient l'ébauche des biens à venir. Mais en ces temps qui sont les derniers, Père très saint, tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus, l'apôtre et le grand prêtre que notre foi confesse. Par l'Esprit Saint, il s'est offert lui-même à toi comme une victime sans tâche. Il a fait participer à sa mission
ces apôtres consacrés dans la vérité, et tu leur as donné des compagnons pour que l'œuvre du salut soit annoncée et accomplie dans le monde entier. Aujourd'hui encore, viens en aide à notre faiblesse. Accorde-nous les coopérateurs dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. Nous t'en prions, Père Tout-Puissant, donne à tes serviteurs que voici d'entrer dans l'ordre des prêtres. Répands une nouvelle foi au plus profond d'eux-mêmes, l'esprit de sainteté. Qu'ils reçoivent de toi, Seigneur, la charge de seconder l'ordre épiscopal, qu'ils incitent à la pureté des mœurs par l'exemple de leur conduite, qu'ils soient de vrais collaborateurs des évêques, pour que le message de l'Évangile, par leur prédication et avec la grâce de l'Esprit-Saint, porte du fruit dans les cœurs et parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'ils soient avec nous de fidèles intendants de tes mystères, pour que ton peuple soit régénéré par le bain de la nouvelle naissance et reprenne des forces à ton autel, pour que les pécheurs soient réconciliés et les malades relevés. En communion avec nous, Seigneur, qu'ils implorent ta miséricorde pour le peuple qui leur est confié et pour l'humanité tout entière. Alors toutes les nations rassemblées dans le Christ seront transformés en l'unique peuple qui t'appartient et qui trouvera son achèvement dans ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alors maintenant, les nouveaux prêtres vont recevoir l'étole et la chasuble, donc l'étole qui symbolise l'autorité du Christ et la chasuble qui symbolise sa charité. Donc l'étole qui vient d'être apportée par des proches et qui est mise en ce moment même autour du cou de Rosé et de Fadi, et puis la chasuble. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Avec les voix, les boiteux marchent, les lépreux soient purifiés pour annoncer le salut. Donc
donc après ce chant d'action de grâce, l'évêque va marquer les mains des nouveaux prêtres avec le Saint-Crème. Donc c'est l'onction des mains. Le Saint-Crème, c'est l'huile parfumée qui est consacrée lors de la messe chrismale. Cette onction signifie la participation spéciale de tout prêtre au sacerdoce du Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit-Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Donc c'est maintenant Fadi qui s'approche de l'évêque pour l'onction des mains. Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit-Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Maintenant, les nouveaux prêtres vont recevoir le pain et le vin, donc sur la patène et le calice. Donc la patène, c'est ce petit plateau sur lequel on met les hosties. Et le calice, c'est donc la coupe de vin. Indiquer que les nouveaux prêtres vont avoir la charge de présider la célébration de l'Eucharistie et de marcher eux-mêmes à la suite du Christ crucifié, donc la remise du pain et du vin aux deux nouveaux prêtres. Procès, recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. C'est maintenant au tour de Fadi de recevoir le pain et le vin. Fadi, recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Et maintenant, l'évêque va donner un baiser fraternel aux nouveaux prêtres en leur disant « La paix soit avec vous ». Grâce à Yahvé, alléluia, grâce à Yahvé. Alléluia, grâce à Yahvé. Alléluia, grâce à Yahvé. Alléluia. Et les nouveaux prêtres reçoivent un baiser de chaque prêtre présent.
Seigneur. Grâce à Yahvé. Alléluia. Grâce à Yahvé. Alléluia. Grâce à Yahvé. Alléluia. Grâce à Yahvé. Alléluia. Gracias al Dios de los dioses, porque eterna es su misericordia. Demos gracias al Señor de los señores. Gracias a Yahvé. Aleluya. Gracias a Yahvé. Aleluya. Gracias a Yahvé. Alléluia, gracias à Yahvé. Et on voit là la joie sur le visage de ces nouveaux prêtres qui reçoivent le baiser de la part de chacun de leurs collègues. Chant d'action de grâce pour les deux nouveaux prêtres qui viennent d'être ordonnés, Fadimata et José Celestino. Et puis ensuite, ce sera la profession de foi et nous entrerons dans la liturgie eucharistique. Alléluia, grâce à Yahvé.
Après le credo, nous entrons donc dans la liturgie eucharistique en direct de la cathédrale de Bayonne pour l'ordination sacerdotale de deux nouveaux prêtres. Nous allons écouter le chant de l'offertoire. Mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le grand roi, car elle sera reconstruite, Jérusalem, Jérusalem. Toujours ces chants hispanisants du chemin néo-catéchuménal, puisque donc les deux nouveaux prêtres font partie du chemin néo-catéchuménal, avec donc ces chants à la guitare très enlevés qui nous accompagnent tout au long de cette célébration. بحجارة كريمة أبراجك بذهب نقي ساحاتك بياقوت شوارعك بذهب أوفير في أبوابك سيعم الابتهاج وفي منازلك النشيد أورشليم Ta lumière arrivera jusqu'aux confins de la terre. Vers toi viendront des peuples nombreux, des habitants des nations, vers la demeure. Les générations exulteront, tous les gens te chanteront, en elle le nom de ton élu sera pour toujours, sera pour toujours. Jérusalem, Jérusalem. Jérusalem, 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 reconstruite.
À noter que Fadi Mata est donc égyptien, d'où les accents orientaux aussi de ce chant. والناس يغنون واسم مختارك فيها يدوم إلى الأبد إلى الأبد أورشليم 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 ستبنى أورشليم إلى الأبد Maudits ceux qui dédieront des mots cruels, maudits ceux qui te détruiront, ceux qui renverseront tes murs, ceux qui abattront tes tours. Mais bénis, bénis pour toujours ceux qui te bâtiront, ceux qui t'édifieront. Bénis ceux qui t'aimeront, ceux qui plairont pour tes châtiments, parce qu'à tes portes ils exulteront, dans tes maisons ils chanteront. Jérusalem, 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 reconstruite, Jérusalem. C'est maintenant la prière sur les offrandes que va dire Mgr Ayet. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, ces offrandes. Elles sont déposées sur ton autel pour célébrer comme il convient la nativité de Saint Jean, car il prophétisa que le Sauveur du monde viendrait et montra qu'il était déjà parmi nous, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons à le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour Jean, le précurseur de ton Fils. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, tu l'as consacré, lui faisant l'honneur d'une mission sans égale. Avant même de naître,
il tressaillit d'allégresse à l'approche du Saint Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut de tous les prophètes celui qui désigna l'agneau de la rédemption. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême et il rendit au Christ le témoignage suprême, celui de son propre sang. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Sanctus, sanctus Dominus, sanctus, sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, sanctus Dominus, sanctus, sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Plenis sunt caeli et terra, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, moi-même ton indigne serviteur, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ces sacrifices de louanges pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour de la naissance de Saint Jean, le précurseur, qui a préparé le chemin au sauveur des hommes, et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Linclé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Comme et Damien, et tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Vous
Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, en particulier pour José et Fedi, que tu as appelés à l'ordre du presbytérat. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande. Protège en eux tes propres dons, pour qu'ils fassent fructifier par ta puissance ce qu'ils ont reçu de ta grâce. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le Juste, le sacrifice d'Abraham, notre père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce
et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. En particulier, Samir Mata, Carmen Beatriz León, Antonio Emilio Díaz, Rosa Margarita Martínez, Alida Quinán y Sergio Iván Jiménez. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, ne cesse de créer tous ses biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous sommes en direct de la cathédrale de Bayonne pour la célébration, l'ordination sacerdotale de Fadi Mata et José Celestino Quinan León. Nous allons entrer dans le rite de la communion. Nous avons du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et c'est donc l'échange du baiser de paix par tous les participants à cette célébration d'ordination sacerdotale dans la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne. On va ensuite entonner l'agneau de Dieu et puis il y aura les chants de la communion en espagnol et en français. L'agneau de Dieu en basque. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. L'évêque communie au corps et au sang du Christ. Ensuite, il va le proposer aux autres ordinants. Et puis après, ce sera la communion des fidèles. Donc, au cours de cette célébration d'ordination sacerdotale avec nos deux nouveaux prêtres, Fadi et José, qui vont donner la communion. Donc alors que la communion se prépare, on peut faire un petit rappel de ce qu'est le chemin néocatéchuménal dont font partie les deux ordinants. Donc c'est un mouvement d'église qui est reconnu comme un itinéraire de formation catholique. En fait, c'est un itinéraire qu'on fait toute sa vie et au sein duquel beaucoup de vocations naissent. Il a été lancé en Espagne, dans un faubourg pauvre près de Madrid. Et comme le rappelait le recteur du séminaire, Juan Ernesto Alvarez, ce parcours s'adresse plus particulièrement pour les personnes éloignées de l'Église, qui sont aux périphéries. Et grâce au chemin néocatéchuménal, ces personnes viennent à l'Église pour l'intégrer pleinement dans les églises diocésaines.
estaban abatidos como ovejas sin pastor. Estaban cansados, estaban abatidos como ovejas sin pastor. Donc tous les prêtres s'avancent dans le chœur pour communier au corps et au sang du Christ. La mies es grande, es verdaderamente grande, y los obreros son pocos. Rogad, hermanos, al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Mirad que yo os envío como ovejas entre lobos. Sed prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas, como palomas. No llevéis mi bolsa ni dinero, ni alforja, ni calzado, y anunciad que el reino está cerca. Cristo ha resucitado, viene con nosotros, viene con nosotros. Un beau chant espagnol pour accompagner la communion de cette célébration d'ordination sacerdotale. Je vous le disais, les deux ordinants, les deux prêtres, nouveaux prêtres, font partie du chemin néocatéchuménal, puisque nous avons ici à Bayonne, à Anglette plus précisément, un séminaire Redemptoris Mater. Donc ce sont les séminaires caractéristiques de ce chemin néocatéchuménal. Ce sont des séminaires diocésains pour former des prêtres qui vont être incardinés dans notre diocèse. Donc Fadi et José sont incardinés dans notre diocèse. Ils ont suivi toutes leurs études au séminaire Redemptoris Mater, et en fait ils ont suivi leurs cours avec les autres séminaristes du séminaire classique de Bayonne, le séminaire des 5 heures de Jésus et de Marie. Ils n'habitent pas au même endroit, mais ils suivent leurs cours ensemble. Et donc ces séminaires, en fait, ils ont la particularité d'être missionnaires, c'est-à-dire qu'ils accueillent des séminaristes qui proviennent de différents pays. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui un Égyptien et un Vénézuélien qui viennent d'être ordonnés. Ils viennent de loin, donc, et ils peuvent être appelés, envoyés avec accord de l'évêque comme prêtres fidei donum, c'est-à-dire appelés à l'étranger, ailleurs dans le monde. Mais ils peuvent aussi rester dans notre diocèse. Et puis on a aussi des familles du chemin néocatéchuménal qui viennent en mission, des missions ad gentes, donc dans le monde entier. On en a ici chez nous, donc à la fois à Bayonne et à Pau. Donc elles forment des communautés missionnaires avec des familles, des enfants, et puis donc ces séminaristes du séminaire Redemptoris Mater. À noter que notre évêque Monseigneur Marc Caillet est proche du chemin, puisqu'il suit lui-même un parcours du chemin néocatéchuménal, parcours qui se fait toute la vie. Mes dettes sont payées, mes portes grandes ouvertes, je m'en vais partout. C'est là, accroupi dans leur coin, continue à tisser la toile terne de leurs heures, où reviennent s'asseoir dans la poussière pour compter leur monnaie. Et ils m'appellent
ma belle, pour que je revienne en arrière. Mais déjà mon épée forgée, déjà mon armure endossée, déjà mon cheval s'impatiente, et moi je gagnerai mon règne, et moi je gagnerai mon règne. Communion se termine avec ce beau chant du chemin néo-catéchuménal. Acurrucados en su rincón, siguen tejiendo el pálido lienzo de sus horas, o vuelven a sentarse en el polvo, a contar sus monedas, y me llaman, y me llaman, para que no siga. Les espèces sont remises dans le tabernacle et on va ensuite dire la prière après la communion et puis ensuite ce sera le rite de conclusion de la célébration. Y a mi caballo se impacienta y yo ganaré mi reino y yo. Se termine ce rite de la communion. Je vous propose un petit témoignage de Rosé et de Fadi. Rosé, n'ayez pas peur de dire oui au Seigneur. Il ne veut pas nous enlever. Il veut tout nous donner. Et Fadi qui dit « Pendant plusieurs années, j'avais peur. J'ai continué mes études, puis travaillé. Finalement, j'ai compris que la joie me venait de suivre le Christ, d'annoncer l'Évangile et de servir l'Église. Priez pour moi. » Donc ces deux nouveaux prêtres, José Celestino Quinal León et Fadimata, qui diront d'ailleurs leur première messe. José dira sa première messe demain, dimanche, à 10h30, en l'église Saint-Joseph d'Anglette. Et Fadi dira sa première messe dimanche prochain, 2 juillet, à 10h30, en l'église Sainte-Marie d'Anglette. Et puis tout à l'heure, l'évêque... dira où sont nommés ces deux nouveaux prêtres pour l'année prochaine. Si nous...
Au festin des noces de l'agneau, tu as refait nos forces, Seigneur, et nous te prions. Donne à ton Église qui trouve sa joie dans la naissance du bienheureux Jean le Baptiste, de reconnaître en Jésus dont il annonçait la venue, l'auteur de la nouvelle naissance des croyants, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Les nouveaux prêtres vont consacrer leur sacerdoce à la Vierge Marie. Nous les confierons à leur Mère du Ciel après, avant la bénédiction. C'est maintenant le chant à la Vierge Marie. Les prêtres se tournent vers la statue de la Vierge. Toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine, je vous livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Les deux nouveaux prêtres se sont donc confiés à la Vierge Marie au pied de la statue. Maria, petite Marie, tu es la brise suave des lits, les bruissements de l'Esprit de Dieu. Tu es les buissons ardents de Moïse qui porte le Seigneur et ne se consume pas. Tu es ce lieu proche de moi que le Seigneur montra. Tu es la fente de la roche que Dieu couvre avec sa main, tandis que passe sa gloire. Vienne le Seigneur avec nous, si nous avons trouvé grâce. C'est vrai que nous sommes pécheurs, mais toi prie pour nous et nous serons son héritage. Maria, pequeña María, hija de Jerusalén, madre de todos los pueblos, virgen de Nazaret, tú eres la nube del desierto que protege la marcha de Israel. Tú eres la tienda de la reunión,
el arca que lleva la alianza, el santuario de la gloria del Señor. Venga el Señor con nosotros, si hemos hallado gracia a sus ojos. Es cierto que somos pecadores, le chant à la Vierge, donc en français et en espagnol. Et puis maintenant, on va avoir l'envoi en mission des deux nouveaux prêtres. Bien. Un petit témoignage de José. Merci à tous pour être là. Fedi et moi, nous sommes reconnaissants de votre présence aujourd'hui parmi nous. Nous rendons grâce au Seigneur aussi pour les dons du sacerdoce. Nous que nous voyons faibles, limités, mais le Seigneur toujours nous a manifesté son amour. Et pour cela, aujourd'hui, on veut rendre grâce au Seigneur pour l'histoire qu'il a fait avec nous, pour tous les parcours qui nous a fait faire, les crises, les péchés, les grâces, les cadeaux de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, pour cela, on rend grâce au Seigneur. Et aussi, on veut rendre grâce au Seigneur pour notre évêque Marc Allé, pour toujours nous soutenir, être un père, un pasteur pour nous. Aussi, nous avons eu la chance de l'avoir, d'être à son service pendant notre formation et notre temps d'itinérance. C'est pour nous, c'est un cadeau du ciel. Et cela nous a nourri beaucoup, il nous a fait grandir, humainement et spirituellement. Aussi, je veux rendre grâce au Seigneur pour Juan Ernesto, notre recteur, qui a su combattre avec nous le bon combat de la foi. Il nous a montré le chemin pour perdre sa vie pour nous. Aujourd'hui, on veut lui donner un grand merci pour tout cela, pour sa patience, sa miséricorde, pour que toujours ait une parole pour nous dans les moments précis de notre vie. Une parole de consolation, de miséricorde, mais aussi de correction. Et cela nous a fait grandir aussi comme personnes. Nous qui venons des histoires différentes, Fedi et moi, il a su combattre avec nous et nous montrer le chemin. Merci beaucoup, Ernesto. Nous demandons à Dieu que toujours tu continues à donner cet enthousiasme, cette zèle pour annoncer l'Évangile. Merci. Aussi, à vous tous ici présents, nous vous remercions. Dieu connaît toutes les choses. Il sait combien vous êtes si précieux pour nous aujourd'hui. Pour cela, à vous tous, un grand merci pour votre soutien, pour nous avoir accompagnés et aussi pour que vous continuez à prier pour nous en tout temps. La histoire n'est pas finie. Maintenant, ça commence. Alors, priez pour nous, continuez à prier pour nous et merci beaucoup. Et aussi, pour finir ce remerciement, je veux que vous me laissez parler un petit peu en espagnol, seulement pour rendre grâce au Seigneur aussi pour ma mère. Mamá, hoy quiero darte gracias por todo lo que el Señor ha permitido en nuestras vidas. Te doy gracias porque has sido una mujer valiente. No te has rendido face a las adversidades del mundo. Ha sido una guerrera y hoy te quiero dar gracias por todo, porque has sabido apoyarme a tu manera, apoyarme.
y sobre todo, que yo sé que no eres una mujer de mucho hablar, pero hay una palabra que siempre quedó marcada en mi corazón, porque no era fácil dejarme ir para ti. Y lo hiciste, y me apoyaste, y me dijiste, si tú eres feliz, yo soy feliz. Por eso te doy gracias, porque me has dejado experimentar y buscar la voluntad de Dios en mi vida. Por eso muchas gracias y que el Señor te bendiga, mamá. Merci a tous. Bon. Je pense que José a presque tout dit. Moi aussi, je voudrais m'exprimer brièvement en ce jour, parce que quand même, on ne peut pas rester sans parole. Hein. Même si on est sans parole face à cet événement, moi le premier, et voilà, rendre grâce à Dieu pour sa patience avec moi à travers beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, c'est impossible de tous les citer, mais voilà, le Seigneur, il connaît bien, parce que je pense que il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas seulement aidé bon, le séminaire, nous personnellement, moi en Égypte, ma communauté, beaucoup d'autres qui ont prié pour moi et qui m'ont aidé, hein, qui ont été là surtout pendant les moments les plus difficiles. Je pense que c'est le moment où on a le plus besoin. Et j'ai toujours trouvé quelqu'un, hein. Il y a les catéchistes, hein, le chemin du catéchuménal. À un moment, on a reçu une parole des catéchistes, parce que nous, on vient de loin de l'Église. Hein. Et même si, un petit peu, on se dit chrétien, mais la parole qui a pénétré dans notre vie et qui a donné du fruit, hein, pas seulement des paroles, mais une action, hein, une réponse à l'appel du Seigneur. Et pour moi, c'est quelque chose, je rends grâce à Dieu, parce que c'est lui qui... Quand même, c'est impressionnant de voir qu'il y a le chemin néocatéchuménal qui est arrivé jusqu'en Égypte. Il y a des missionnaires qui ont donné leur vie pour aller annoncer la parole de Dieu. Et ça a formé des communautés dans lesquelles il y a eu des vocations. Hein. Vous en voyez déjà, ici, il y en a peut-être 4-5, hein, avec Père Daniel, Salvatore, Yamanolo, il y a qui encore de chemin, il y a Redemptoris Mater qui est au Liban. Et voilà, je vais aussi dire un mot en arabe, je pense qu'il y a quelques-uns qui n'ont pas trop bien compris le français. Voilà, mais je t'aoule, tu as juste un mot en arabe, peut-être que les gens qui nous regardent sur YouTube, ou ici, à Firafat, ou le premier, le responsable de la famille, qui est Nader en Masse. Mais tu es le responsable de la famille qui était jusqu'à maintenant, jusqu'à la première fois. Lui, c'est le responsable de ma communauté au Caire, hein, c'est pour le présenter. Et بس عايز اشكر الناس كلها اللي ساندتني, اخوتي الجماعه, الشباب, الكبار, المبشرين اللي في مصر, كل اللي ساهموا, كهنه كتير كمان ساندوني, اخوه كتير حتى لو كبار في السن بس بيسندوا دايما بصلواتهم, هاه عيلتي هنا مش لازم اقول يعني اي حاجه صح بس حلو حلو عمل ربنا في حياتنا حاجه حلوه عشان كده ميرسي شكرا C'était le témoignage de José et de Fadi. C'est pas tous les jours qu'on entend parler arabe sur notre antenne. Fadi venant donc d'Égypte et José du Venezuela, ils ont parlé à leur famille, ils ont rendu hommage à leur famille. Sur nos deux nouveaux prêtres et sur nous tous ici rassemblés, il me revient de confier à chacun de ces nouveaux prêtres du diocèse de Bayonne, Lescar et Laurent, une mission. José Celestino sera nommé prêtre coopérateur de la paroisse de la Sainte Famille à Pau.
rejoindra son curé, monsieur l'abbé Pierre Aramburu, ici présent, et aussi Andrea, qui est déjà prêtre coopérateur depuis quelque temps. Quant à Fedi, avant de rejoindre le diocèse, il poursuivra cette année une année d'itinérance missionnaire au Rwanda. Et je leur donne dès à présent, puisqu'ils sont devenus prêtres, le pouvoir d'entendre les confessions et de pardonner les péchés. Le Seigneur soit avec vous. Dieu est le Père et le Pasteur de son Église. Qu'il vous protège toujours de sa grâce pour que vous accomplissiez fidèlement votre charge de prêtre. Amen. Qu'il fasse de vous au milieu du monde des serviteurs et des témoins de son amour et de sa vérité, et de fidèles ministres de la réconciliation. Amen. Qu'il fasse de vous de vrais pasteurs, chargés de donner aux fidèles le pain vivant et la parole de vie, qui les feront grandir dans l'unité du corps du Christ. Amen. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je viens réunir toutes les nations. Ma gloire, elles viendront et verront ma gloire. Gloria, gloria, gloria. Nous arrivons à la fin de cette célébration d'ordination de deux nouveaux prêtres, Fadi Mata et José Celestino Quinan León. Merci à tous ceux qui ont organisé cette belle messe. Merci à Barbara Couget qui a animé les chants, à Iban Ergui à l'orgue, au chœur et orchestre du chemin néo-catéchuménal qui a animé la plupart des chants. Merci aussi à la société Audience pour la retransmission vidéo. Merci à Michel Faury pour la retransmission radio. Bonne journée à tous. Merci de votre fidélité. Milesh Kersweri. Gloria. Y traerán a vuestros hermanos entre todas las naciones, como oblación al Señor. Como
como oblación al Señor. Y de entre ellos tomaré sacerdotes para mí, sacerdotes que anunciarán mi gloria, sacerdotes y familias que anunciarán mi gloria.